Bon, du coup, ben, comme tu l'as vu à la fin de la dernière vidéo, Carter, il est de nouveau ressorti. Donc, en fait, la fin de la dernière vidéo, c'est la dernière séquence, c'était ce matin. Là, ça fait un peu plus de 2 heures que je suis en train de nettoyer le joint silicone qu'il y avait à la fois côté bloc culasse et à la fois côté Carter. Donc, j'ai pas un résultat aussi impeccable qu'à la base. Mais honnêtement, mentalement, je suis en train de péter un câble. Donc, je m'arrête là. De toute façon, c'est propre. Et bah, je vais remettre du silicone. Bon, tu vois, genre, je vais être foutu partout. Mais heureusement que j'ai pris 2 tubes. Mais du coup, bah, je vais resiliconer proprement cette fois. Et bah, on va remettre ça. Hein. On va remettre ça. Mais ouais, franchement, silicone, je déteste ça. Autant tu vois quand tu regardes les vidéos de Farid, il te dit que les queues de soupape, c'est, enfin mettre les soupapes, c'est ça le pire. Non non, le pire c'est de siliconer des moteurs comme ça. Et je sais pas, c'est un truc, ils ont ce délire à lâche et sur les gros moteurs à chaque fois c'est comme ça, tout est siliconé. Sur les petits moteurs pas très intéressants, genre les 4 cylindres, c'est pas siliconé comme ça. Bref, bon allez, je te mets en time lapse et puis on est parti. Bon, donc du coup, je vais juste en retirer à certains endroits parce que je l'ai fait à des endroits où a priori il fallait pas. Donc je vais en retirer. Tu vois, là j'en ai mis trop. Donc tu vois, les endroits où je l'ai mis où il fallait pas, là autour. Parce que attends. Hop, je vais le mettre droit. Voilà. Alors là où t'as la bite un peu de profil. Tu vois, là j'en ai mis ici, il faut pas. Et ensuite, là le raccord que tu as là, tu dois pas en avoir ici. Donc, je fais ce que je peux pour retirer. Hein, mais ça va être un enfer. De toute façon, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout, il n'y a rien là-dedans. Parce que, attends, ça va là comme ça veut dire que je suis quelque part par là. Mais il y a que dalle, donc on s'en fout en fait. On s'en fout. Là, après. T'as rien non plus là. Ah non, c'est dans l'autre sens, donc c'est là. Ah, mais pareil, t'as que dalle, donc on s'en fiche que je silicone ça ou pas, on s'en fiche. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Je vais remettre mes joints. Là, du coup, je devrais en mettre un neuf là-bas. Hein. Oh putain. Il se barre facilement. Hein. Et là, du coup, bah, je vais devoir en reprendre un neuf. Hein. Bon, ça va, ça devrait se trouver facilement, ces petits toriques à la con. Puis au pire, j'en réutiliserai un. Tu vois, si je vois à un moment donné qu'il y en a un qui va à un endroit à peu près accessible, parce que là, autant là pour échanger, c'est la merde, mais il y en a peut-être un qui peut être à un endroit accessible. Ouais, ils ont tendance à vraiment se barrer, quoi. Ça reste dedans. Voilà les deux toris qui sont dedans. Bon, on va pouvoir le remettre. Les tories qui se rebarrent. En fait, c'est dès que j'arrive avec ma plaque ici. L'autre, il est où? Punaise, il est là, l'autre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Hop.
sont en fait là. C'est mon fils, donc ça devrait le faire. Alors, là, lui. Non. Voilà. Là, on est dedans. Hop, et je vais remettre encore une fois toutes ces vis. Bon, donc du coup maintenant on va remettre les vis. Je vais quand même, tu vois, je vais juste mettre les vis contre, mais je vais pas serrer. Je vais laisser un petit peu le silicone sécher, parce que là, tu vois, en une nuit, il y avait encore du silicone qui était pas sec. Donc voilà. Et par contre, ce que je vais faire par rapport à hier, tu vois, c'est identifier les différentes vis. Parce que tu vois, tu as différentes tailles de vis. Là, tu vois, celle de gauche, elle est plus longue, plus courte que celle de droite. Donc là, je sais que je dois en avoir encore une grande là-dedans. Je dois en avoir encore une grande et faut juste identifier. Regarde, c'est quoi là, je vais toutes les mettre comme ça et ça va rapidement se voir laquelle est la plus grande. Toute la même taille, donc soit j'en ai paumé une, soit il m'en manque une, je sais rien. Bon, c'est pas grave, on va commencer avec celle-là. Je regarde si j'en ai pas une à terre. Non, bon, du coup, les plus longues, faut les mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, donc tu vois. Ce repère-là, 1 et 2, parce que tu as ça ici, donc ce serait ici, ça ce serait le 3, ça ce serait 11, 9, 8, 10, donc... Là, on a 10, 8, 9, là, on a 11, 3, et du coup, si on est logique, on en a 1 ici, 1, 2, hop, on va faire ça, voilà, 1, 2, ensuite, la 3, elle va où? Pour moi, la 3, c'est celle-là. Parce que si tu veux, j'en ai foiré 2 hier et je me dis que c'est peut-être à cause de ça. 1, 2, 3. La 4, ça doit être celle-là. Ouais, juste en dessous. Juste en dessous du joint de galerie, ici. Ok, la 5, c'est celle juste au-dessus du joint de galerie. Au-dessus du joint de galerie ici. La 6, c'est celle-là. La 7, c'est celle qui est pas loin, donc c'est celle-là qui avait aussi été foirée. La 8. La 8, elle est là. Là, t'as la 9 et là, t'as la 10. Celle-là, alors, elle sert à quoi? Non, celle-là, c'est la 10, 8, 9, et là, c'est la 11. Okay. Donc, il m'en manquerait deux en... Il me manquerait deux grandes. Il me manquerait deux grandes, mais là, elles font toutes la même taille. Je vais mettre toutes les autres. En dehors de celle-là, je vais mettre toutes les autres et on va bien voir, de toute façon, ça va se faire par élimination.
Bon bah du coup il m'en reste que deux et ce sont les deux courtes. Bah du coup je vais mettre les deux courtes, hein, tant pis. Juste il faudrait que je fasse gaffe à pas trop serrer ces vis là. Donc voilà, là maintenant je vais laisser sécher une bonne demi-heure et pendant que ça sèche, je vais aller regarder au niveau de la distrib comment ça se passe. Au niveau de, tu sais, les arbres à cames, comment il faut les mettre, dans quelle position, etc. Et ouais, je vais commencer aussi à essayer de retrouver mes vis de pompe à huile là. Ça serait sympa. Parce qu'on va remettre la pompe à huile. Avant que j'oublie. Et avant qu'on puisse plus y accéder. Pour ça, il faudra juste retirer ça. Bon, du coup, là c'est bon, ça a séché. J'ai resserré tout au couple. Voilà. Celui-là, il commençait un peu à foirer, donc du coup, je l'ai remplacé. J'ai été rechercher dans mes vieilles vis. Et j'ai été remettre un de 20. Là, j'ai déjà commencé à poser la pompe à eau. La pompe à huile. Donc, du coup, je suis parti sur une pompe neuve d'origine. Donc c'est une Hitachi, c'est une originale. Je vais juste retirer, tu vois, ici, parce qu'il y a une petite étiquette avec la ref de chez Hitachi. Et honnêtement, je me sens pas de laisser ça dans l'intérieur. Donc voilà. J'ai remis la crépine d'huile. Ça c'est bon. J'ai été normalement chercher mes petites vis de. Ouais voilà. C'est avec ça ? Non, ça c'est pas le distrib. Voilà, donc ça, ce sont les vis de pompe à huile. Ça, on va pouvoir les remettre. J'imagine que ça doit être de cette taille-là. Donc, il y en a trois. Une ici. Bon, celle-là, elle passe, elle va probablement servir à plaquer les autres. C'est vrai qu'il y a quelques endroits où c'est pas fou en fait. Dans l'idéal, il faudrait que tu vois du silicone dégueulé de partout. Tant pis. Je vais pas non plus, tu vois, j'hésite à le retirer. Là, il est bien sec. Mais j'hésite à le retirer parce que je me dis, tu vois, que ça pourrait peut-être retirer une partie d'étanchéité, tu sais. Je vais voir. Mais parce que d'origine, de toute façon, il était comme ça, même si à mon avis, il a déjà. C'est tous les moulins, ils ont déjà été ouverts là-dessus, ne serait-ce que pour les joints de galerie d'huile qu'on va faire maintenant. Ils ont quasiment tous déjà été ouverts. Et donc, ouais, en parlant de joints de galerie d'huile, donc du coup, on va installer les nouveaux. Donc, alors moi, je suis parti sur ceux de chez Concept Z Performance. Non, même pas, c'est ceux de chez Z1. Z1 Motorsport. L'intérêt c'est qu'ils sont fournis avec des vis qui sont autre chose que des cruciformes de merde, c'est des haleines. Il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi je préfère largement ça. Donc on va commencer à installer ça. Les caches qui sont ici sont tout propres. Éventuellement je vais repasser parce que ça fait un moment aussi qu'ils sont faits ceux-là. Donc je vais juste passer, tu vois. Voilà. Alors j'ai vu des gars qui montaient parce qu'en fait j'ai regardé dans le manuel de service et le manuel de l'atelier et globalement il dit juste touche pas à ça. Genre en mode faut jamais les changer, tu sais c'est comme les chaînes sur les THP, c'est à vie, t'y touches pas. Ouais bah non en fait.
la réalité elle est tout autre. Et donc du coup en fait il t'indique absolument pas comment les changer ces trucs là. Donc j'ai vu des mecs monter ça avec du joint silicone, mais je trouve vraiment pas ça terrible de monter ça avec du joint silicone, donc je vais le monter comme ça à nu. De toute façon d'origine j'ai pas vu de joint silicone, donc voilà. Et là en plus ce sont de meilleurs joints qu'à l'origine, donc voilà. Je pense que ceux-là sont en composite, parce que tu sais, t'en as en métal et tout, et je pense que ça doit être des composites. Enfin, après, je les ai quand même payé 40 euros, hein. C'est pas donné non plus. Hein. Donc. Hop, et je vais essayer de trouver la bonne clé. Donc, à tous les coups, je dois l'avoir qui traîne ici. C'est probablement. Ouais, c'est celle-là. Ouais, faudra pas aussi que j'oublie, je vais regarder ça de suite même. Parce que ça, tu vois, il me semble que ça allait sur le côté quelque part. C'est au niveau du carter de distrib. Et je me souviens m'être fait avoir. Mais là, je vois pas où il peut aller, quoi. Je la garde en tête. Hop. Il y a des gars aussi qui servent ça à la loctite. Bon bah j'ai pas de loctite. Donc on va faire ça comme ça. C'est bon pour le premier. Et du coup, on enchaîne sur le deuxième. Bon bah voilà, ça c'est fait, j'ai même une vis en rab. Je revérifie mais j'en ai pas oublié un vis. Donc voilà, donc bon. En même temps vu le prix du kit, ils peuvent te filer un peu de vis en rab. Hein. Donc ça c'est fait. Maintenant que je réfléchisse un peu, la pompe à huile elle est bonne. Hein, bah ouais, on va pouvoir attaquer la distrib. Juste avant, je vais peut-être faire la pompe à eau. Je vais essayer de voir, tu vois, là pour le coup je vais peut-être essayer de, tu vois, d'enlever les morceaux qui traînent. Ouais, tu vas me dire en fait ça sert à rien parce que ça fait un chibre et là j'arriverai pas à atteindre ce qu'il y a là, donc non, ça sert à rien. Du coup, pompe à eau, et alors la pompe à eau, donc du coup celle-là c'est une Daiko, c'est pas une d'origine. Et je suis parti sur une Daiko bah parce que tout simplement en fait c'était deux fois moins cher que l'origine. Ça de toute façon c'est que de la pièce qui vient des US. Hein. Laisse tomber en France. Une Ridex ça coûte le prix d'une Daiko aux US. Donc bon. Voilà. Et le prix d'une pompe d'origine en France, laisse tomber. On est à 150-200 euros à peu près. Donc j'ai préféré partir sur une Daiko qui marchera très très bien. Et voilà. Alors ici les joints. Bon, c'est les mêmes, de toute façon après d'origine. D'origine les joints ils sont tous les deux noirs. Donc. Je vais d'abord passer dans toutes les ailettes. Voilà, et ensuite le passer au-dessus parce que sinon je risque de. Je vais lui éclater la tronche sur les ailettes. Voilà. Ça irait dans l'autre sens, tu veux me dire? Ouais, je pense que ça va dans l'autre sens. Allez, on recommence.
Donc celui-là, on va l'envoyer en premier. Non, c'est pareil. Non, non, ils vont bien tous les deux dans le même sens, quoi. Enfin, ils font bien tous les deux la même taille, la même épaisseur, mais je comprends pas pourquoi ils en ont mis deux, quoi. Bon. On va le rentrer tranquillement et on va voir ce qui se passe. Alors le couple là-dessus, il est de combien? Ouais, j'abuse peut-être un petit peu de serré, mais au couple, mais bon. Ouais, 11, 13, donc... Je vais mettre à peu près 11 parce que 10, c'est déjà bien. Ouais, tu vois, regarde, ça, c'est vrai. Ça ira très bien comme couple. C'est surtout que je lui fais vraiment pas confiance à cette dynamométrique de merde. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Les peut-être derniers petits trucs que je vais pouvoir faire, si je le retrouve, il est là-bas. C'est éventuellement, tu vois, nettoyer ça tant que je le peux. Parce que ça, après, j'y aurais plus accès, c'est clair et net. Ouais, bon, bah écoute, j'arriverai pas à les avoir beaucoup mieux. Ça fera le taf de toute façon. Donc là, on va pouvoir attaquer la distrib, la partie la plus redoutée. Donc déjà, t'as pu remarquer, si t'es observateur, que l'alignement des arbres à cames a changé. En fait, tu veux t'aligner ici, tu vois, là, t'as cette ligne-là. Tu veux déjà, ça va être ton repère, à chaque fois, tu vois. Et là, donc du coup, t'as un pin qui ressort, un petit guide. Lui, déjà, côté admission, il doit être aligné. Donc tu vois, donc dans les deux cas, on est bien aligné. Et ensuite, là, tu as un petit trou et un gros trou. Alors le petit trou, tu l'alignes avec la ligne. Et là, pareil, à chaque fois. Donc ça, c'est pour les arbres à cames d'échappement. Donc voilà, donc ça, c'est comme ça. Retiens une chose également, parce que tu auras besoin de faire bouger les arbres à cames. Tes deux gros soucis, les deux trucs sur lesquels il faudra vraiment que tu fasses attention, ce sont le cylindre numéro 1 et le cylindre numéro 4. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont au TDC, ils sont au PMH. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu viens ici presser les soupapes pour les ouvrir, tu vas taper direct dans les pistons. Donc, là-dessus, fais gaffe. Donc là, tu vois, là, je tape pas. Là, je tape bientôt, mais pas encore. Donc, c'est bon. Donc, voilà, fais gaffe. De toute façon, tu vas mollo, tu vas tout doucement avec une clé à molette et tu te prends... Tu vois, ici, tu as des empreintes, donc tu te prends là et tu vas mollo. Moi tout à l'heure, je sais plus, ça devait être celui-là qui a commencé à taper. Je l'ai senti tout de suite, je l'ai reculé. Voilà. Tu fais gaffe et ça va bien se passer. Donc voilà, ça c'est pour la première étape. La deuxième étape, je dirais, ce serait de remettre la clavette côté admission et la clavette côté échappement. Commencer à regarder au niveau des déphaseurs. Donc là. Au niveau des clavettes, donc hop, enfin les clavettes ou les... Non, la clavette, c'est ce que tu as au milieu, je veux dire les poudres, mais t'as compris. Donc au niveau des clavettes, t'as des repères, mais de toute façon elles seront comme ça, en fait elles seront toutes les deux comme ça, les clavettes là. De toute façon je disais, donc je pense qu'on peut le retirer, mais ok, bon bah, je vais le remettre, mais je vois pas comment tu peux mettre tes déphaseurs et tout avec ce truc là en place, hein. Donc bon, parce que rien que là, tu vois, les clavettes, elles passent pas. Les poulies toutes seules, elles passent même pas. Si tu
veux, je vois pas comment t'es censé. Là après, ouais, une fois que t'as retiré ça, ouais. Là ça passe, mais tu peux même pas. Ah, si tu peux le remettre lui. Bon bah du coup la vidéo elle va se terminer de façon imprévue. Parce qu'en fait c'est pas le bon kit de chaîne. Regarde, ça c'est le moteur, c'est mon moteur d'origine, mais c'est le même, tous les moteurs que j'ai c'est le même. Regarde déjà la gueule de la chaîne, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Et là du coup effectivement tu vois, là lui il s'attrape, bien dessus tu vois. Et en revanche lui ne s'attrape pas sur celui-là. Donc bref, je vais devoir aller choper un autre kit de chaîne. Enfin, de toute façon, je vais faire un réclat aussi qui me l'a vendu. C'est, je vais clairement afficher le nom. C'est Asian Autopart. Et celui-là, de toute façon, c'est Asian Autopart qui fabrique. C'est, voilà. Mais ouais. Par contre, déjà, non seulement sur les aides, ils ne donnent que celui-là. Mais surtout, moi j'ai déjà monté les deux ici qui semblent être les mêmes qu'à l'origine. Donc j'espère juste qu'ils vont pas me demander de les sortir parce que je vais péter un câble. Je ne les ressors pas. Ceux-là, je ne les ressors pas. Je vais pas ressortir le carter de Distrib pour la deuxième fois et ressortir les arbres à cam. Hein. C'est mort. Donc eux, ils se démerderont, ils me donneront la bonne référence, mais non, non. C'est mort, j'ai déjà assez donné. Alors après, l'autre solution serait, en attendant, pour vraiment monter ma chaîne, mais c'est pareil, ce serait de réutiliser la chaîne, les chaînes secondaires, mais dans tous les cas, je vais reprendre un kit qui aura tout. Donc dans tous les cas, autant remettre du neuf, je les aurai. Donc voilà, bah du coup, c'est sur une immense déception que je te quitte.